On va faire on va faire une petite parole ouverte à la fin. Je pense que ça parle beaucoup mieux que mon discours. Voilà. Et sans micro pour les raisons de des raisons de Covid. Donc voilà. C'est moi ? C'est moi, c'est ça, ouais, d'accord. Avec ou sans le son ? Ah, que je me prépare quand même. J'ai le son qui tremble. Ah, c'est avec le son. J'ai filmé pendant qu'il nous chargeait, j'ai lancé le film en toute vitesse. Donc en direct de Rennes. Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Je m'appelle Marie-Laure, je suis à l'hôpital de Pontchaillou, je ne sais pas à l'heure qu'il est. Bien évidemment, je n'ai pas dormi. Je suis la mère d'un gilet jaune qui a été blessé pendant la manifestation. Monsieur Macron, pendant que vous faites le malin en bras de chemise dans les gymnases, pendant des heures, en soliloquant, parce qu'il est vrai que vous aimez surtout parler seul, pendant ce temps-là, vos sbires, monsieur Macron, mutilent nos jeunes. Ces jeunes, j'insiste, ne présentaient aucun danger. Combien de mutilés parmi nos jeunes va-t-il encore falloir avant que vous vous rendiez compte, monsieur Macron, que diriger un pays, ce n'est pas se tenir en haut de la verticalité que vous vantez tant. C'est peut-être de temps en temps se pencher sur les gens et écouter réellement ce qu'ils ont à dire. Pas que vous cassiez pas, quelle que soit votre motivation politique, que vous soyez d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, que vous soyez milliardaire ou prolo, c'est pas le souci. Est-ce qu'on vous laisse casser? Est-ce qu'on vous laisse saccager? Est-ce qu'on vous laisse brûler des gens? Est-ce qu'on vous laisse mutiler ou tuer des gens? Oui ou non? Voilà. Et c'est au pouvoir légitime de décider. Protéger les institutions avant que d'aller protéger les commerces et la sécurité des personnes. Et donc, il y a une hiérarchie du maintien de l'ordre. Absolument. Et donc, ce qui peut générer un sentiment d'insécurité chez les manifestants qui se disent mais la police n'est pas là pour nous protéger, bah, effectivement, la police, elle est là avant tout pour protéger les institutions qui seront les institutions de la République. Mais on sera en monarchie, ce serait pareil. Et donc moi, je suis à côté de lui, ou peut-être un petit peu devant. Mais tout seul, mec. T'es tout seul. Pourquoi tu fais ça? T'es tout seul. Je me souviens seulement du coup. Et après, d'entendre moi, mon mari dire Mel, qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi, Mel. Voilà, c'est tout ce que j'ai.
Attends, je vais montrer tout le monde qu'il y a. Ça, monsieur, c'est quoi cette arme? J'ai filmé, je crois, 15 minutes avant l'impact, un policier. Et on lui dit, c'est quoi ça, monsieur? Je crois que vous aviez pu utiliser les flashballs. Et il dit, mais non, mais c'est un LBD-40. Et je le filme, hein, donc il voit bien que je le filme. Un policier qui pète les plombs parce qu'il n'en peut plus. Je comprends qu'il ait pu avoir des bavures. Le problème, c'est que la nature de ces violences policières, leur nombre, leur caractère répété, les images démontrent qu'évidemment, et c'est ça que tous les citoyens français ont vu, c'est qu'on n'est pas dans une espèce d'addition un peu hasardeuse et malheureuse de pétage de plomb ou d'acte isolé. On est dans la conséquence mécanique, voulue, d'une violence excessive, disproportionnée, non assumée. Avoir comme conséquence sur leur futur, en fait, ils ont été considérés comme des émeutiers. Voilà une classe qui se tient sage. Je ne mets pas en doute le discours des policiers sur le fait que les échauffourées ont été très musclées avant. Voilà. Mais on ne peut pas arriver à cette situation. Si on arrive là, c'est que le boulot n'est pas bien fait. On se souvient des révolutions du 19e siècle, celles que décrit Flaubert dans l'éducation sentimentale. Les gens sont ivres de violence, ils veulent prendre possession des Tuileries, se vautrer dans le lit de la reine, boire la cave du château jusqu'à l'ivresse là, pas du tout. On est dans une configuration où la violence se déchaîne sur un tout petit périmètre. Défend des intérêts privés. Donc tous les verbiages sur la police républicaine est nul et non avenu. Voilà. Les bavardages sur la démocratie, c'est pareil. Les comportements que l'on voit, ce sont ceux des milices. Et en effet, la violence est politique, puisque c'est expliqué d'ailleurs par un des intervenants, il s'agissait de faire peur. Il fallait nous empêcher de manifester. En arrêtant les gens avant même qu'ils arrivent sur le lieu de manifestation, en faisant peur à tous les gens qui ont peur pour les empêcher de venir, en insultant les gens, comme on l'a vu dans cette émission de télévision grotesque, et qui continue de sévir. Ouais. Donc, en effet, ce qui est atteint, c'est le droit de manifester. La violence saine exercée contre le droit de manifester est inscrite dans la Constitution. Et donc, un président et ses ministres qui donnent des ordres pour faire peur, comme des opposants politiques. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire passer, à mon avis, auprès de ceux qui, en effet, n'ont pas encore compris l'histoire, c'est que les revendications que la plupart des gens ont sont des revendications politiques et on doit être respecté comme des opposants politiques et non pas montrer du doigt comme des casseurs, des violents, des je ne sais trop quoi, des possesseurs d'armes par destination, des regroupements en vue de je ne sais pas quoi. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est on se regroupe
pour contester des actions politiques avec lesquelles on n'est pas d'accord et sur lesquelles on est extrêmement nombreux à ne pas être d'accord. Et face à ça, on nous oppose la violence.